Allô? Allô? Clara? Oui. Bébé, où es-tu? Ah, mon cœur. Je suis dans une église. À l'église? À 7h de la nuit? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ma mère est malade. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Voyons, bébé, tu fais déjà beaucoup pour moi. Je ne voulais pas te déranger davantage. Quand tu as déjà ta famille dont tu dois t'occuper. Mon cœur, je ne m'en plains pas. Écoute, tu es le seul homme qui me rend heureuse. Et en contrepartie, je prends également soin de toi. Tu sais quoi? Viens me retrouver demain. Le Seigneur a exaucé tes prières. Je vais te donner un peu d'argent pour emmener ta maman à l'hôpital, d'accord? Oh, que puis-je faire sans toi, mon amour? Je t'en suis reconnaissant, merci infiniment. T'es un amour. Je t'aime, mon cœur. D'accord, chérie. En fait, je t'ai appelée parce que j'ai fait un cauchemar. Tu m'as poignardée dans ce rêve. Dieu nous en garde. Mais tu sais bien que je ne ferai jamais ça. Un sorcier a sûrement fait de manipulation avec mon visage. Chérie, tu sais que je ne peux pas te faire ça. Oui, je le sais, t'inquiète. Ah, c'est pour ça que j'étais un peu confuse. Ok, je demanderai à mon pasteur de mettre ce sujet en prière, ok? Bon, tu sais que je ne crois pas à tout cela, mais tu peux lui en parler de toute façon. Ok, tu peux retourner dormir pendant que je continue mes prières. Quoi? Ouais, ok. Où est ton mari? Il va bien. Il va bien. Ah, merci beaucoup d'avoir appelé. Allô? Avec qui est-ce que tu parlais? Je me suis réveillée pour regarder le bébé et le docteur m'a appelé. Le docteur a appelé? À cette heure-ci de la nuit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Est-ce que tout va bien? Eh bien, tu sais que j'ai emmené le bébé à l'hôpital plus tôt dans la journée parce que sa température était élevée. Mm-hmm. Donc, j'imagine qu'il a appelé pour prendre de ses nouvelles. Ah, ok. C'est très gentil de sa part. Alors, comment il va? Il va bien, il va bien. Il dort maintenant. Je me suis réveillée. Je ne t'ai pas vue sur le lit. Je suis donc venue te chercher. Mon pauvre bébé. Allez, viens, retournons. D'accord, bébé. Allons-y. Allez, prends-en une. Et voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon, n'est-ce pas? Regarde, regarde. C'est bon, c'est bon. Tu vois, mange, mange ça. Allez. Mange. Mange tout. C'est bon. C'est bon. C'est bon, n'est-ce pas? Prends une dernière cuillère et on mange. Mange, mon bébé. Oh, Boubou! J'espère qu'il mange bien son repas. Ah, comment est-ce qu'il se sent? Comment est sa température? Oui, madame. D'accord, très bien. Quand tu auras fini de lui donner à manger, tu lui donnes ses médicaments. Un ici et un là. Tu comprends? Oui, madame. Et après, tu l'emmènes à la crèche, d'accord? Oui, madame. J'aurais vraiment aimé rester avec toi, d'accord? Sois patient. Je suis pressée. Maman sera bientôt de retour, d'accord? Oui, madame. Calme-toi. D'accord. Prends bien soin de lui. Ça va, calme-toi. D'accord, ça va, allez, ça va. Ça va, mon bébé, ça va.
Salut, chérie. Salut. S'il te plaît, prends ceci. Emmène ta mère à l'hôpital, d'accord? Je suis pressée. Je dois retourner au bureau maintenant. Oh mon Dieu, c'est un chèque de 150 000. Oh, bébé. Oh, je ne m'attendais pas à cette somme. C'est beaucoup trop pour moi. Bonté divine. Merci beaucoup. Emmène juste ta mère dans le meilleur hôpital de la ville. Ok? Tout ce qui te concerne me concerne également. Pas vrai? Je t'appelle. Oh bébé, attends, s'il te plaît. Assieds-toi, s'il te plaît. Je dois te faire de sincères remerciements. Écoute, je dois payer pour ceci. Laisse-moi te montrer ma gratitude et te remercier. Bébé, je suis à court de mots, tu sais. Je ne sais quoi dire. Bon, allons quelque part, ok? Ah, j'aurais tellement aimé pouvoir rester. Bébé, conserve ton énergie pour ce soir. D'accord? À plus tard. Ah là là. Oh, tiens. Merci mon frère. Ah. Alors comment va ta femme? Elle n'est pas encore rentrée du boulot. Elle a dit qu'elle avait plein de comptabilités en retard qu'elle devait rattraper à son bureau. Mais pourquoi tu me le demandes? Tu le sais mieux que moi. Vous travaillez, je crois, dans le même bureau, non? Je comprends vraiment pas. Parce que je l'ai vu quitter le bureau, c'était exactement une heure avant moi. Elle est partie avant moi. Maintenant, j'avoue, je ne comprends plus rien. Parce que j'ai parlé à ma femme il y a 40 minutes et elle m'a certifié qu'elle était encore au bureau. Ah, Murphy, écoute, j'étais la dernière personne à quitter le bureau. C'était environ 3 heures. Tu dis quoi? Attends, sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Attends. Attends une seconde. Essayes-tu de me dire que... Bonsoir, chérie. Regardez qui on a là. Léonard, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Bienvenue. Mon cœur. D'où est-ce que tu viens, Clara? Du boulot, bien sûr. Y a-t-il un problème? Léonard, que voici, dit que tu es parti du travail beaucoup plus tôt. Oui, j'étais la dernière personne à quitter le bureau. Et tu n'y étais pas, je suis désolé. Je suis désolé. Quoi? Oh mon Dieu. Léonard, qu'est-ce que tu fais d'autre à part passer ton temps à détruire les foyers d'autrui? Hein? Attends. Est-ce un plan pour te venger de moi parce que j'ai rejeté tes avances sexuelles? Quoi? Moi? Écoute, chérie. Je suis vraiment désolée de te dire cela maintenant. Je ne voulais juste pas gâcher ta relation avec cet homme stupide que voici. Imagine-toi que, depuis que j'ai commencé à travailler dans ce bureau, il n'a pas cessé de me faire des avances. Mon Dieu. En fait, à 2 reprises, il a même essayé de me violer. Quoi? Non! Quoi? C'est pas moi. Je ne peux pas faire ça. Il n'a pas cessé de dire que, si je couchais avec lui, il me donnerait une promotion. Ma fille, tu ne crois pas ça, pas vrai? Dehors! Sors de chez moi! Je ne peux pas croire cela. Léonard! Elle ment! Léonard, sors de chez moi sur le champ avant que je ne te fasse quelque chose de terrible! Chérie, ne l'écoute pas! Sors de chez moi! Sors de chez moi maintenant! J'ai compris! D'accord! Quel genre d'ami es-tu? S'il te plaît, va-t'en. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas rester chez eux? Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela? Chérie, je ne voulais pas que tu réagisses ainsi. Ça va aller, ne t'inquiète pas.
C'est vraiment horrible ce qu'il a fait. Calme-toi. C'est une personne très horrible. Je suis désolée pour ce qui est arrivé. Vraiment désolée. Désolée. Vraiment désolée. Si bon, ça va, ça va. Es-tu sérieuse? Ma chérie, je dois apprendre quelques-unes de tes techniques. Regarde comment tu as retourné l'histoire très vite. Tu ne me fais pas confiance. L'idiot voulait utiliser sa bouche pour gâter mes affaires. J'ai changé les bêtises. Pourquoi ne pouvait-il pas se mêler de ça? Bonne question. Mais par-dessus tout, es-tu sûre que ton mari a vraiment gobé toute ton histoire? Gobé, bu et avalé. N'est-ce pas? Je suis une pro. Murphy, même tellement que la simple idée que je puisse le tromper lui donnerait une crise cardiaque. Oh. Donc il préfère mon histoire à celle de cet idiot de Léonard. J'aime le fait que tu t'amuses autant avec ton bad boy. Mais tu dois faire très attention, tu sais. Ah. Tu sais, je n'envisage pas d'avoir un deuxième mari. Mauvaise fille. Confiance. Mais tu sais, j'ai besoin que tu me donnes des cours. D'accord. Bébé, que s'est-il passé? J'avais l'air si froid au téléphone. Même pas en fer? Je ne suis pas d'humeur. Un avis d'expulsion? Que s'est-il passé? Mon bailleur voulait que je sorte avec sa fille aînée. Et j'ai refusé. Il a payé des avocats véreux et des gros bras. Et ils m'ont chassé de la maison. Les gens sont tellement méchants. Ah ah! Mais qu'est-ce que ce monde est devenu? J'en sais rien. J'ai failli accepter ce qu'ils me demandaient. Mais je ne sais pas. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'as pas accouché avec sa fille juste pour rester dans cette maison. J'ai perdu mon appartement. Et je ferai quelque chose pour arranger cela. Fais-moi confiance. Hein? C'est pour cela que j'étais si énervée. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je t'aiderai à trouver une solution. Hein? C'est vrai. Souris-moi alors. Ah, un meilleur sourire. Hey! Mon rayon de soleil. Salut, bébé. Tu es vraiment trop sexy. Merci. Ah, Steven, mon cousin qui vit en Afrique du Sud, m'a appelé aujourd'hui. Tu te souviens de lui? Je crois... Je ne pense pas, je ne pense pas. Tu lui as déjà parlé une fois. C'était au téléphone, souviens-toi. Oui, je me souviens. Je m'en souviens. J'espère que tout va bien pour lui. Il va bien. Il m'a juste appelé pour me dire qu'il sera au Nigeria dans 3 jours et qu'il aura besoin d'un endroit où loger jusqu'à ce qu'il ait un endroit à lui. Ça ne me dérange pas du tout. Tout ce qui rendra mon rayon de soleil heureuse. Hé, hey, pourquoi pas? Oh, tu es trop chaud. Merci infiniment, chérie. Merci, merci, c'est merci. Bon. Et maintenant, je vais aller t'attendre sur le lit. Je ne mettrai pas long. Je te rejoins tout de suite. Oh, Steven sera tellement content.
Salut, mon bébé. Bébé, voici Steven, mon cousin, dont je t'avais parlé. Steven? Oui, monsieur. Ravi de faire ta connaissance, mec. Merci. Sois le bienvenu. Merci, merci. Alors, comment était le voyage? Wow. C'était bien. J'ai eu 6 heures de retard de vol à cause du mauvais temps. Mais je suis là. La faim justifie les moyens. Désolé, mon frère. Tu as bien raison. Tu sais, ma femme, ta cousine, elle m'a dit plein de bonnes choses à ton sujet. Hmm? Alors, sois le bienvenu. S'il te plaît, chérie. Oui. Amène mon beau-frère dans sa chambre et qu'il soit installé confortablement. Oh, chérie. Je le ferai, sois-en sûre. Ravi de te voir. Ok, d'accord. Merci, merci infiniment, beau-frère. Je te suis infiniment reconnaissant. Merci encore. C'est un plaisir. On aura le temps de discuter plus tard, ok? D'accord. Sois le bienvenu. Merci, beau-frère. Oh là là. Je me demande bien pourquoi est-ce qu'on n'irait pas en vacances en Afrique du Sud, un de ces quatre. Ma femme et moi, on se baladerait et on ferait du tourisme. Yep. Attends, attends, Clara. Qu'est-ce que ce gars t'a donné pour que tu l'aies amené dans la maison de ton mari et qui, en passant, est toujours présent? Ça s'appelle du bon sexe. Ça, c'est ce qu'il m'a fait. Oscar me touche d'une manière avec laquelle aucun homme ne m'a jamais touchée. Il me fait toujours en demander plus. Écoute, hein, je suis heureuse que tu t'amuses avec ce gars. Mais même moi, que mon mari est mauvais, je ne peux pas faire ce genre de conneries que tu viens de faire. Tu abuses. Ah bah, tu commences à t'attacher à ce gars. Ne développe pas de sentiments, ce n'est que du sexe. N'est-ce pas toi qui l'as dit? Judith, je peux gérer cela. Je peux gérer les deux hommes. Tu penses vraiment gérer la situation? Je me demande pourquoi est-ce que mon mari ne peut pas être la moitié, juste la moitié de ce que tu es. Je suis ton homme. Allez, tu sais, je suis là. Je te ferai toujours plaisir. Dans toutes tes positions. C'est pour ça que je t'aime. Tu es si beau et si sûr de toi. Merci. S'il pouvait juste voyager. Voyager, nous laisser tranquille, ouais. Et ne plus jamais revenir. Tu sais, forcément un jour il voyagera et nous laissera la maison pour nous tout seuls. Il te laissera coucher, coucher pour moi. Vilain garçon. Tu sais quoi? J'aurais besoin d'une somme de 100 000 pour gérer certaines factures et remplacer l'énergie que j'ai perdue sur toi. 100 000 Naira? Je pensais que j'allais demander plus que ça. Oh, ah bon? Oui. Ce n'est pas un problème. Tu sais que tu te satisfais toujours. Tu me traites toujours avec respect. Je ferai tout pour toi, mon cœur. Merci. C'est pour cela que je t'entends toujours. T'as entendu ce son?
D'accord. Hey. Bébé, tu es rentré. Tu reviens de bonne heure. Je te souhaite joyeux anniversaire, chérie. Ah. Pourquoi as-tu l'air aussi surprise? Aurais-tu oublié qu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage? Ah, bébé, pourquoi est-ce que tu dis ça? Je ne pourrai jamais oublier cette date. Elles sont magnifiques, merci. De rien. C'est juste que j'avais un peu mal à la tête tout à l'heure et j'ai dû rentrer du travail plus tôt pour me reposer. Ah bon? Je suis vraiment désolée. Comment te sens-tu maintenant? Je me sens beaucoup mieux. Ces fleurs sont magnifiques. Merci infiniment, chérie. Quoi? Ces fleurs sont magnifiques. C'est quoi cette odeur? Quelle odeur? Dans cette chambre. Ça sent le muscle et la sueur. Je ne sens rien du tout. Peut-être ce sont les draps. Attends, Attends. Relax, chérie, relax. Tu n'as pas stressé ainsi, ok? Tu es déjà vraiment très tendue. C'est bon, ça va. Où est-ce qu'il est, ton cousin Steven? Je ne l'ai vu nulle part. Oh, vraiment? Peut-être il est dans la maison quelque part. Je ne sais pas. Ok. Je suis sûre que tu dois être affamée. Allons à la salle à manger pour que je te serve un truc, d'accord? Oui, c'est vrai que je suis très affamée. C'est pour cette raison que j'ai fait des réservations pour nous tous, pour aller dîner dans un restaurant esqui pas très loin en ville. Nous tous inclus... Toi, ton cousin, moi... Bébé, c'est juste toi et moi. C'est un jour spécial pour nous. Le jour où j'ai dit « je le veux » à l'amour de ma vie. Steven pourra se débrouiller tout seul. Ah, Seigneur. Je te loue chaque jour de m'avoir béni avec une épouse aussi belle et si merveilleuse. Merci, bébé. Ok, bon. Ceci, c'est pour toi. Une robe. Prépare-toi. Oh. On s'en va dans 15 minutes, ok? Je t'attends. Tu aimes? Oh mon Dieu! Bébé, c'est tellement magnifique! Le tissu est incroyable! J'aimerais beaucoup l'avoir sur cet adorable corps. Merci. Il n'y a pas de quoi. Prépare-toi. Vas-y, prépare-toi. D'accord. Vas-y, prends place. Attends une seconde. Voilà. Alors, ma chérie, qu'est-ce que je te sers? Je vais ouvrir cette bouteille comme un pro.
Ok, à toi de porter un toast. Ok, je porte un toast à une longue vie, à une vie paisible, et remplie de bonheur avec toi. À nous. Alors, comment tu le trouves? J'adore. Tout va bien? Oui, ça va. Je vais bien. Merci infiniment. À nous deux, mon amour. Darcy, une minute. Darcy. Léonard, qu'est-ce qu'il y a? Darcy, tu dois comprendre. Ta femme ment. Elle ment. Tout cet temps, elle vient rarement au travail. Darcy, écoute-moi. Je suis ton ami. Je peux pas te tromper. Par pitié, écoute-moi. Tu as terminé? Est-ce que tu as fini? Merci. Est-ce que tu as terminé? Excuse-moi. Merci. Bébé? Salut mon canard. Mon mari est hors de la ville et j'ai réussi à trouver les 3 millions de naira que tu as demandé. Donc, ramène ton sexy corps sur le champ, j'ai besoin de toi. Allô? Oscar, est-ce que tu m'entends? Allô? Oh, mon sucre d'orge, ma bise sucrée. Tu as presque cassé mes rangs aujourd'hui. Que t'est-il arrivé? Oh, ma déesse. Mon sucre d'orge. Oh là là.
Allô? Allô? Comment tu vas, chérie? Quoi? T'es raccroché au nez? Non, je... Pas du tout. En tout cas, ça devrait être le réseau. Je serai avec toi bientôt, ok? Oui, bien sûr. Laisse-moi juste terminer la réunion que j'ai. D'accord? Très bien. Ok. Bébé, je dois y aller. Ma mère vient juste de m'appeler et elle dit qu'elle veut me voir. Tu appelles ta mère, Mama Love? Oui, j'appelle ma mère aussi. Et pourquoi ce regard? Seigneur, Clara, il doit être écrit, idiote, en gros caractère sur mon front. Ta Mama Love, pardon. Ta mère a appelé juste avant que tu ne sortes de la salle de bain en disant « Salut mon canard, mon mari vient tout juste de sortir de la ville et j'ai pu réunir les 3 millions de Naira que tu as demandé, bla 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 connerie. » Comment oses-tu décrocher mon téléphone? Oscar, dégage tout de suite de ma maison. Dehors! Sors d'ici! Qui le dit? Toi. Est-ce que je ressemble à ton mari que tu commandes partout? Je dirige les choses ici. Donc je partirai au moment où je le voudrais. Ou bien tu veux que ton mari sache que Steven, ton faux cousin, qui est plutôt Oscar, couche tôt. Le temps. Il baise sa femme, son épouse chérie, partout dans cette maison. Oscar, tu ne feras rien de tel. Tu es juste en train de bluffer. Dégage! Tu ne me connais pas, n'est-ce pas? Est-ce que je ressemble à ton mari que tu commandes partout? Maintenant, si tu ne veux pas que ta jolie petite famille soit détruite, alors agis comme la femme rusée que tu es. Ah. Tu n'es qu'un bâtard. Que Dieu te punisse. Oscar, tu n'es qu'un bâtard. Si tu n'es qu'un démon, ce n'est pas en train d'arriver. Ce n'est pas en train d'arriver. Seigneur, Oscar! Seigneur, pourquoi est-ce que tout ceci m'arrive? Pourquoi? Oh, Seigneur! Je n'ai pas aimé le ton de ta voix au téléphone. Que se passe-t-il? Il essaye de me faire du chantage. Hey. Clara, je t'ai prévenu de ne pas amener ce gars chez toi. Tu ne m'as pas écouté. Donc, c'est pas seulement un gigolo, c'est aussi un maître chanteur. Oh, ma chérie, tu as merdé cette fois. J'ai été tellement idiote. Mon Dieu. Qu'est-ce que je fais maintenant? Judith, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Que veux-tu que je te dise maintenant?
Je t'avais prévenu. Le seul truc à faire maintenant, c'est de rester tranquille. Réfléchissons à quelque chose. Jusqu'à quand? Il menace de tout raconter à mon mari. N'est-ce pas toi qui as refusé de m'écouter? Ne t'ai-je pas averti de ne pas faire ça? Reste un peu tranquille. Laisse-moi réfléchir. Je n'arrive pas à croire que tout ceci m'arrive. Je n'arrive juste pas à le croire. Clara, as-tu pensé à te débarrasser de lui? Judith! Je cherche une solution pour toi. Pourquoi est-ce que tu dis une chose pareille? Ah! S'il te plaît, ne dis plus ça. Nous n'en sommes pas encore arrivés là. Pense à autre chose. Je ne peux pas verser le sang de quelqu'un. Quelqu'un qui veut qu'on te chasse de la maison de ton mari? S'il te plaît, je ne peux pas verser du sang. Il faut penser à autre chose. Ok, reste tranquille. Donne-moi un peu de temps. Cet idiot doit partir de là. On doit lui donner une bonne leçon. Il doit partir. Il doit partir. Quel culot! Il doit partir. Il doit partir de chez moi. Je ne peux plus le supporter. Je n'en peux plus. Allô, mon sucre d'orge. Je savais que tu appellerais pour me dire combien je te manque. Hein? Et que tu viens me voir maintenant. Mais qu'est-ce qui te prend juste, Oscar? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Je ne peux pas me permettre de venir dans ta chambre cette nuit. Pour l'amour de Dieu, mon mari est au lit. Bien. Il ne sera plus dans ce lit. Plus jamais, ou grand jamais. Si je ne vois pas ton cul dans les 25 prochaines minutes. Ne me tente pas, ma vie. Oh mon
Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bébé, tu m'as fait peur. Chérie, est-ce que tu vas bien? J'ai eu peur quand je me suis réveillée, je ne t'ai pas trouvée sur le lit. D'où est-ce que tu viens? J'ai entendu le bébé pleurer alors, je suis allée le faire se rendormir. Comment ça se fait que je ne l'ai pas entendu pleurer? Oh mon Dieu, je devais vraiment dormir profondément. Oui, tu dormais profondément. Mais ne t'inquiète pas, je l'ai fait se rendormir. On peut retourner au lit maintenant, ok? Ok? Ah. Dormir. Tu es comme ça depuis des semaines déjà à résister à mes caresses. Devrais-je être inquiet de quelque chose? Non. Non, bébé. C'est juste que j'ai commencé un programme de prière et de jeûne de 30 jours que le pasteur m'a demandé de faire. Quoi? 30 jours de jeûne? Cela inclut-il aussi de priver ton mari de sexe? Non. J'ai juste décidé de m'abstenir de sexe au lieu de nourriture. Tu vois, quelque chose de différent. C'est juste temporaire. Bébé, je voudrais juste très bien terminer cela. Il ne reste plus qu'un seul jour. Waouh. Murphy. Elle a commencé à jeûner depuis un mois déjà sans ton accord. Incroyable. Bébé. Tout cela prendra fin demain. Ouais. S'il te plaît, rendormons. Bonne nuit.
C'est pas grave. Est-ce que tu as vu ça? Cet homme est très fort. Ces gars sont vraiment très violents. Oh! Mince. Mince. Oh mon Dieu. Il faut vraiment des gars courageux pour faire ça. Sérieux. Regarde. Qu'est-ce qu'il porte là? Ce truc. C'est pas vrai. C'est un collier. Oh. Allez. Pouvez-vous arrêter de regarder ceci? Le petit déjeuner est servi. Relax, chérie. Voyons, relax. Relax. Pourquoi es-tu si agressif ce matin? Calme-toi, ok? Calme-toi. Hmm? On dirait qu'elle a eu une nuit très agitée. Elle a besoin de plus de repos. Oh, si seulement c'était vrai. On vient juste de conclure un jeûne et des prières de 30 jours sans sexe. Bébé, Steven n'a pas besoin de connaître cela. Pourquoi pas? Attends un peu. Le jeûne et des prières sans sexe? Mmh. Voyons, Steven. Qu'y a-t-il de drôle? Bien. Excuse-moi, c'est juste que je n'avais jamais entendu parler de programme de jeûne et de prière sans sexe chez les couples mariés. Ben, eh bien, j'imagine que ma ravissante épouse que voici a voulu essayer un truc différent et unique. Vraiment? Bon anniversaire. Oh. Chérie, comme je l'ai dit, le petit déjeuner est servi. Ok, très bien, on arrive. On arrive. Ok. Oh, Seigneur. Mais dans quoi est-ce que je me suis fourrée? Père, pitié. Si seulement tu pouvais me sauver de ce merdier. Je te jure, je changerais pour devenir la meilleure femme dont un homme puisse rêver. Pitié. Pitié, sauve-moi. Waouh, waouh. On dirait que quelqu'un porte mon bébé. Pourquoi est-ce que tu dis une chose pareille? Explique-moi un peu. Soudain, j'ai pris du poids. Changement d'humeur. Tu viens juste de vomir. Voyons, ne me prends pas pour un idiot. Et même si c'était le cas, pourquoi penser qu'il est de toi? Sachant très bien que j'ai un mari. Un mari avec lequel tu couches rarement. Tu m'énerves tellement.
Je vois des robes ici. Elles sont faites pour des femmes enceintes. Viens regarder. Wow. Ce monde est beau et sucré. Qu'est-ce que tu fais? Je consulte ma messagerie. Ok. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Mon cœur. Hein? On dirait que tu as pris du poids. Et tes seins sont beaucoup plus gros. Ah bon? Regarde-les. Je ne fais que les regarder depuis que tu es sorti de la salle de bain. Et ils sont vraiment très gros. Si on couchait ensemble, j'aurais déjà conclu que tu es enceinte. Mon Dieu. Chérie, tu es vraiment très sexy. Sexy pour toi, bébé. J'y arrive. Tu es haut, regarde-toi. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Seigneur, pourquoi est-ce qu'elle ne décroche pas? Décroche. S'il te plaît, décroche ce téléphone. C'est qui ça encore? C'est moi, ouvre, c'est Clara. Tanti! Madame est là.
Madame est là. Tantine. Madame est là. Clara, salut. Ah. Nebo. Nebo. Madame. Nebo. Madame. Je suis occupée à l'intérieur et je ne veux aucun visiteur, tu as compris? J'ai compris, madame. Tu m'as compris? Madame, j'ai compris. Ne me fais pas me répéter. Hey, Nawao. Hey. Madame. Hey. Madame, oh. Oh, par le sang sacré de Jésus. Mes pauvres yeux. Eh ouais. Espèce de sale chienne. Clara. Je le jure. Tu paieras pour ça. Clara, attends. Clara. Madame, pardon. C'est une erreur. C'est une erreur. Fou. Je ne le ferai plus. Madame. Dégage d'ici. S'il vous plaît. Qui êtes-vous? Je suis Steven Wokeke, le cousin de ta femme, celui de l'Afrique du Sud. Écoute, j'ai vu tes photos sur son mur Facebook et on a aussi parlé au téléphone dernièrement. Tu es le Steven qui vit en Afrique du Sud? Exact, beau frère. Comme tu peux le voir, je viens juste d'arriver. Je t'en prie, assieds-toi. Assieds-toi. Je t'en Merci. Prie, assieds-toi. Waouh. Waouh. Tu as une belle maison. C'est vraiment joli. Steven? Est-ce que ma femme savait que tu venais aujourd'hui? Tu sais, ta femme m'a donné l'adresse de chez vous il y a quelques temps seulement. Mais tu sais, je n'ai pas pu la voir en ligne en fait. Comment va-t-elle? Beau frère. Ah. Y a-t-il un problème? Où est le bébé? Eh bien, Steven, ta cousine, ma femme, a fait entrer un homme ici dans ma maison. Mince. Le pire, c'est qu'elle l'a amené ici et m'a présenté cet homme comme étant son cousin, Steven Wokeke, qui apparemment vit en Afrique du Sud. Pardon? Oh, les voilà qui arrivent. Ma femme, Clara, et son cousin, Steven Wokeke, de l'Afrique du Sud. Quoi? Clara, que se passe-t-il ici? Beau frère, je suis son cousin. C'est bien moi, Steven, de l'Afrique du Sud. Tu m'as la fermé, voleur.
Je suis Steven Hokiki. Attends, tu blagues ou quoi? Clara, dis à ton mari que je suis ton cousin, celui d'Afrique du Sud. Qu'est-ce que... Mon frère, je suis Steven Hokiki. Je ne comprends pas ce que ce menteur fait ici. Mon frère, je suis son cousin. Je suis Steven de l'Afrique du Sud. C'est moi, je suis son cousin. Regarde la ressemblance. Je suis son cousin. Je suis Steven Hokiki, celui de l'Afrique du Sud. Mais monsieur, tais-toi, tu es un voleur. Sors de cette maison, t'es malade. Non mais qu'est-ce que... Arrêtez. Chérie, viens m'aider. Arrêtez ça. Arrêtez. Chérie, s'il te plaît, viens m'aider. C'est moi. Arrêtez ça. Arrêtez. Allez. C'est moi. Lâche-le. Arrêtez. Chérie, viens m'aider. Me voici dans une prison fédérale. Puis j'ai une sentence de 15 ans pour le meurtre de Madame Clara Nadi. Je me sens misérable ici. Je trouve très difficile de me pardonner cela. Je n'ai jamais su qu'on récolte ce que l'on sème. Gigolo. Un mauvais style de vie que j'ai choisi.